Jean-Clément Martin, vous sortez aux éditions Perrin un livre absolument fascinant et je trouve majeur sur la question de la terreur. Alors en lisant votre petit livre qui est quand même qui fait 230 pages, qui n'est pas si petit que ça, quand on a terminé, on se pose une question parce qu'on n'a pas la réponse à cette question, c'est finalement qu'est-ce que c'est que la terreur? On ne le sait pas à la fin du livre. La question est brutale. Alors à ce moment-là, il faut absolument que je redise véritablement ce que j'ai écrit, parce que si c'est à ce point d'indécision, c'est dommage. Ce que j'ai écrit, je lis. Et c'est le début, c'est l'introduction, c'est la page 10. Pendant la Révolution, il y eut un état d'exception, des violences d'État, des exactions commises par des individus se couvrant de son autorité. Rien d'original, direz-vous, c'est la page 11, sauf que ce moment, imprécis au demeurant, a été qualifié de terreur, une catégorie inédite et rejetée jusque-là par la quasi-unanimité des contemporains, qui s'est imposée et transmise jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, la réponse, elle est là, page 10, page 11. Alors je ne vais pas dire que vous m'avez mal lu, sans doute que j'aurais dû mettre ça en gras et le souligner deux fois. Ce que je veux dire simplement, c'est que on a pris depuis précisément la fin août 1794, feu qui dort en deux, un mois après la mort de Robespierre, l'habitude de qualifier tout ce qui venait de se passer du nom de terreur. Ce que je dis simplement, c'est que cette qualification est une invention pour précisément incriminer Robespierre, le charger de responsabilité qu'il a eue et qu'il n'a pas eue, et donner un nom à une période qui n'en avait pas jusque-là. Donc, il y a bien cette invention d'un mot qui s'appelle la terreur, que l'on identifie avec ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant, il n'y avait pas de nom, précisément. Il y avait bien, en revanche, depuis 1791, depuis 1792, des actes d'une très grande violence, notamment, tout le monde le sait, les massacres de septembre, la guerre de Vendée. Mais il n'y avait pas eu véritablement de ligne politique organisée jusque-là. Et le comble de tout ça, c'est qu'il y avait bien eu, jusqu'à la mort de Robespierre, et même la veille de son arrestation, hein, bon, le 8 Thermidor, le 26 juillet 1794, il y avait bien eu, de la part de la Convention et de la part de Robespierre, le refus absolu de dire que la France était rentrée dans un régime de terreur. C'est-à-dire que, je redis autrement, il y a eu d'un côté... Depuis, mais on pourra s'arrêter sur les dates, hein, depuis 3 ans, 4 ans, et peut-être même depuis 1788, c'est-à-dire un an avant ce qu'on appelle la Révolution. Il y avait bien eu là une série d'actes violents qui étaient engagés, sans qu'il y ait eu de directive étatique véritablement claire, un jeu politique, on va en reparler, très compliqué, ça c'est certain. En aucun cas, il n'y avait eu de politique déterminée, ça c'est bien le problème. Bon. Et c'est donc au lendemain de la mort de Robespierre que, pour des raisons politiques et politiciennes, hein, disons le mot, parce que c'est important, que le 11 Fructidor en deux, Tallien, un des rivaux de Robespierre, dit... Tout ce qu'on vient de vivre s'appelle la terreur, et cette terreur est de la responsabilité de Robespierre. Donc, l'image d'un côté, violente, que nous prenons tous comme pour vrai, que nous prenons tous pour vrai, et de l'autre côté, ces années de, on va dire, de chaos, de lutte, de conflit, de guerre civile, que nous n'arrivons pas certainement à nommer, parce que nous n'arrivons pas à voir, à accepter que dans le détail, il y ait eu tous les conflits dont nous allons maintenant parler. Parce que ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on s'aperçoit que la terreur, qui est devenue une sorte de catégorie historique, bon ou mal an, c'est avant tout un problème de vocabulaire. Parce que dès la Révolution française, tous les grands révolutionnaires, et vous en citez beaucoup, emploient ce mot terreur. Évidemment, ce n'est pas dans
l'acceptation qu'on en a, nous, maintenant, de la terreur. Donc, quel est le... qu'est-ce que la terreur pour un révolutionnaire ? Alors, là, vous avez raison, avec une précaution à prendre. Parce que, de toute façon, tout est question de vocabulaire à ce moment-là. Bon, à commencer, tout simplement, enfin, je pense qu'il faut bien l'avoir en tête, que lorsque les États généraux se réunissent à partir du 4 mai 1789, messe des États généraux avant la journée officielle politique du 5 mai, personne n'imagine que cette ouverture des États généraux faite par le roi va déboucher un mois peut-être après, et surtout 6 mois après, dans ce qu'on va appeler la révolution. Le mot même révolution, personne ne va l'employer à ce moment-là. Et lorsqu'on va employer le mot révolution en anglais au lendemain du 14 juillet, personne n'imaginait que ce qui venait de se passer avec la prise de la Bastille avait vraiment ouvert une révolution comme la révolution américaine à laquelle la France va être comparée. Donc, tout est vraiment question de vocabulaire, et les gens que nous appelons révolutionnaires ne s'appelaient pas révolutionnaires, bien sûr, eux-mêmes. Ils s'appelleront révolutionnaires vraiment seulement à partir de 1792. Et je crois qu'il faut vraiment faire cet effort de penser que nous devons comprendre comment les gens qui ont vécu à cette époque-là ont élaboré un nouveau vocabulaire pour eux, et maintenant que nous employons sans nous rendre compte de cette élaboration progressive. Bon. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel à comprendre. Ce qui veut dire maintenant pour la terreur que le mot terreur est, jusqu'à août 1794, pris par, je vais dire tout le monde, pour faire bref, tout le monde pour vraiment le synonyme d'une situation que tout le monde veut éviter. La terreur, c'est ce que les États despotiques créent, c'est-à-dire ils font peur à leurs sujets pour que les sujets ne se révoltent pas. Et ça, tout le monde va le dire, le répéter, il n'y a rien de pire que la terreur. Bon. Donc on est là dans un rappel d'un vocabulaire religieux, c'est la terreur devant Dieu. Bon. On est terrorisé devant les flammes de l'enfer, et ce sont donc les despotes, les tyrans, les rois, bon, qui emploient eux et eux seuls ce genre de procédé. Et on le verra tout le temps. C'est-à-dire quand Robespierre va en parler en février 1794 notamment, il va dire « la terreur est l'arme du despotisme ». Et si l'on veut éventuellement l'utiliser, il faut faire extrêmement attention et réserver cet exercice à quelques-uns. Et il parlera à ce moment-là du despotisme de la liberté. Mais il ne faut surtout pas que tout le monde s'en empare. Bon. Donc il y a là un accord en quelque sorte complet chez les conventionnels notamment, puisqu'on le voit en septembre 1793, lorsque des groupes de sans-culottes vont réclamer, on ne sait pas trop hein, ce qu'ils disent, mais que la terreur, entre guillemets, soit mise à l'ordre du jour, formulation là aussi imprécise. À l'ordre du jour de quoi ? De l'Assemblée, certainement, de la nation peut-être, mais ça n'a jamais été formulé. La Convention, les députés, à la quasi-unanimité, disent pas question. Si on doit mettre quelque chose à l'ordre du jour, c'est pas la terreur, c'est la justice. Parce que c'est antinomique à ce que l'on fait. Donc on a bien affaire là à un véritable renversement de sens, ce qui a été rejeté, parce que a été assimilé à une guerre civile imposée par un despote, va devenir à partir d'un mois après la mort de Robespierre, comme ce qui vient de se produire. Alors, la réponse, l'explication est simple en définitive, c'est que Robespierre avait été, dès le lendemain de sa mort en revanche, là, le 11 Thermidor avait été immédiatement qualifié de monstre et de tyran. Donc Robespierre est devenu un despote, Robespierre est devenu un dictateur, ce qu'il avait toujours refusé bien sûr d'être, un tyran. Alors il était donc d'une certaine façon logique que dans la culture classique
qui était la culture partagée par l'ensemble des personnels de la vie politique à l'époque, qui avaient tous appris tout ça dans leur collège. Le tyran, bien sûr, se comporte en despote avec une politique arbitraire qui est la terreur. Donc il y a vraiment là un lien très logique. Robespierre ne voulait pas être dictateur, ne voulait pas employer de la terreur, il l'a dit régulièrement, il meurt, et il est logique qu'on dise, au lendemain de sa mort, c'est lui le tyran, donc c'est lui qui, en quelque sorte, moi j'ai un peu une formule maintenant, c'est lui qui a gardé le mistigri, hein, vous savez, dans ses jeux, il a gardé la mauvaise carte, il n'a pas réussi à s'en débarrasser celui-là, et bien il a perdu. Et il est celui qui a maintenant été responsable de cette terreur dont on n'avait jamais voulu auparavant faire un régime. Parce qu'il y a un jeu de vocabulaire, mais il y a aussi même un jeu d'orthographe, et vous en jouez dans votre livre, qui est la terreur avec le T majuscule et la terreur avec le T minuscule. Comme s'il y en avait une avec le T minuscule qui était normale, et une avec le T majuscule. Alors ça, j'admets simplement que c'est de mon fait. Bon, c'est pour que le lecteur se dise, attention, de quoi parle-t-on ? Bon, la terreur, c'est quelque chose qui a toujours été utilisé depuis Aristote, depuis toute la culture antique. La terreur, c'est un sentiment qu'on doit éprouver éventuellement pour se purger des mauvaises passions, et puis ensuite par toute la culture chrétienne qui insiste sur cette terreur qu'on doit éprouver vis-à-vis des commandements de Dieu, puisque ça permet précisément de remettre le pécheur dans l'endroit chemin. Donc l'idée que la terreur a toujours existé, c'est une réalité dont il faut absolument avoir conscience. En revanche, lorsqu'on parle de cet objet bizarre, hein, quand même, que j'étudie et qui va être cette... Alors je maintiens bien, là, j'insiste bien, je souligne, j'écris en rouge et en grosses lettres, la terreur inventée par Tallien pour charger Robespierre de tous les maux. Là, il me semble qu'il faut vraiment insister sur le fait que on a affaire à un objet nouveau, bon, à cet objet qui vient d'être inventé, qui va marquer nos consciences et qui, par-dessus le marché, est devenu une catégorie extraordinairement utile puisqu'elle permet de penser, je le dis alors avec fermeté, elle permet de penser notre entrée à nous tous dans la modernité. Parce qu'avec la terreur de la Révolution, ce que Tallien fait, involontairement quand même, ça je pense qu'il a pas, il ne s'est pas du tout rendu compte de ce qu'il faisait, mais avec cette invention de la terreur qui tombe vraiment très très bien, il permet précisément de donner aux Français, mais aussi aux étrangers, qui hors de France n'arrive pas à comprendre ce qui vient de se produire, n'arrive pas à comprendre que cette révolution ait pu commettre autant de massacres, et puis que les révolutionnaires se soient tués à ce point entre eux. Il appelle ça la terreur, et quelqu'un va s'en servir immédiatement, qui jouera un rôle essentiel pour la compréhension intellectuelle de l'ensemble du monde, c'est un certain Friedrich Hegel, qui va dire, bien voilà, la terreur, c'est l'excès de négativité de la liberté. C'est dans la phénoménologie de l'esprit. Et d'un seul coup, ce qui était un chaos, proprement incompréhensible, cette révolution qui n'avait pas de sens, hein, coative véritablement, eh bien là, elle prend un sens, puisque quand la liberté est nécessaire, l'excès de liberté tombe dans sa négativité et provoque ce qu'on appelle la terreur. Donc la violence de la révolution s'appelle vraiment la terreur avec un grand T. Le monde est à nouveau lisible, complètement lisible, et il y a là à la fois la possibilité de s'engager dans la liberté et la nécessité de faire attention de ne pas tomber dans cette négativité. Et donc c'est quand même sur ces bases-là que nous vivons aujourd'hui encore, sans nous en rendre compte. Personne n'a besoin d'avoir lu Hegel, la phénoménologie de l'esprit, pour aimer ou détester la terreur. Sauf que,
inconsciemment, nous sommes les héritiers de Tallien relu par Hegel. Bon, voilà la terreur, avec un T majuscule. Ça vaut bien une majuscule. Tout à fait. L'autre chose qui est vraiment très fascinante, c'est que quand on imagine la terreur, on imagine une population entière, presque en voie en risque de mourir, en risque de meurtre. Et on s'aperçoit que même s'il y a beaucoup de gens qui sont tués, notamment juste avant la mort de Robespierre, où là c'est quasiment 30 ou 40 guillotinages par jour, qui sont les gens terrorisés par la terreur ? Eh bien voilà, oui, voilà, vous êtes tombé dans le piège, voilà. C'est très clair. C'est que précisément, vous exprimez parfaitement bien ce faux sens qui est né sur la terreur, parce que, au passage, vous avez employé terroriser, ça correspond à cette naissance du mot terroriste qu'on voit utilisé à partir de 1795, par Babeuf notamment, pour qualifier les gens qui ont été impliqués dans ce qu'on commence à appeler la terreur, et qui va devenir ensuite un mot qui va rentrer dans l'édition du dictionnaire de l'Académie française, qui a disparu, mais le dictionnaire va paraître quand même, ça c'est compliqué, un peu bizarre, en 1798, où il y a le mot terroriste qui apparaît, et terroriste, c'est celui qui a participé à la terreur. Bon. Ça désigne en définitive, notamment, les représentants en mission et les sans-culottes qui auraient participé aux actes dits de terreur. Sauf que tous ces individus, quand ils ont participé à des actes de terreur, moi je vais le dire autrement, ils ne sont pas allés terroriser les gens. Jamais. Terroriser les gens, ça veut dire on en prend 10 qu'on exécute pour que les autres aient peur. C'est la technique de Genghis Khan, hein, notamment en tournant des milliers de personnes pour que les millions soient absolument écrasés sous la peur, ou de Néron à Rome. Donc on n'est pas là du tout comme ça. Les sans-culottes et les représentants en mission, lorsqu'ils ont pratiqué des actes violents, ils ont pratiqué des actes de répression. C'est-à-dire que là, on est bien dans la répression, on a bien emprisonné et exécuté des gens qualifiés de contre-révolutionnaires, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Marseille, et que ce soit bien sûr en Vendée. Mais en aucun cas, c'était de la terreur pour faire peur, c'était de la répression pour emprisonner, neutraliser, comme on dit joliment aujourd'hui, ou tuer. Bon, si on le dit sans euphémisme. Donc, on est là dans des opérations de guerre, civile ou extérieure. On n'est pas dans des opérations de terreur comme on le connaît aujourd'hui, avec des terroristes qui feraient exploser des bombes pour faire peur à des populations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces actes de violence, et moi que je ne peux pas appeler de terreur précisément, parce que c'est bien là l'image qu'on leur donne, et cette image nous empêche de voir la réalité. Ces actes de violence ont concerné beaucoup de gens, ça c'est absolument indéniable. Il est certain que notamment dans toutes les villes que j'ai nommées tout à l'heure et dans la région du sud de la Loire, la Vendée, il y a eu là beaucoup d'individus qui ont été pris dans des tueries, des massacres et de la répression. Donc ça c'est indéniable. Mais il me semble qu'on peut estimer à 400 000 personnes à peu près le nombre de personnes tuées dans ces années jusqu'en 1794. Ce qui est considérable, ce qui est la moitié étant concernée par la Vendée, ce qui est un bilan important, mais que je réfère toujours, même si c'est pour faire un peu hurler, mais que je réfère toujours aux millions de soldats tués pendant des guerres napoléoniennes, soldats français dans les armées françaises, indépendamment des autres millions tués pendant ces années-là, et correspondant grosso modo au bilan global des pertes humaines pendant la Révolution dans sa globalité. Donc, une répression importante, une répression marquante, grosso modo 1800 personnes guillotinées dans l'été 1794 à Paris, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que 1800 personnes guillotinées à Paris dans une ville qui à ce moment-là compte 700 000 personnes, c'est-à-dire que la vie continue,
Ça peut paraître quelque chose qui aujourd'hui nous échappe complètement. 1794, c'est pas 1936 ou 1938 dans la Russie stalinienne, 1965 dans la Chine maoïste, 1978 dans le Cambodge de Pol Pot, ou 1933 ou 34 dans le Berlin d'Hitler. C'est pas vrai. C'est-à-dire que on voit très bien, notamment dans les journaux, ce que je dis là, je le dis comme ça, c'est un fait brut. Dans les journaux du moment, à la dernière page, il y a sur la dernière page l'annonce des spectacles du jour et la liste des gens qui vont être guillotinés. C'est exactement sur la même page, côte à côte. Voilà. Et on voit bien que les gens vont dans les balles à ce moment-là. Ils vont dans les jeux de société, même y compris des jeux un peu interdits. Ils vont aussi dans des chapelles qui restent ouvertes. La liberté du culte est établie. Même si les prêtres réfractaires sont poursuivis, il y a des chapelles ouvertes. Et des gens sans dimanche, parce que c'est dimanche, même si ce n'est pas autorisé. Donc il y a une liberté et de parole, et d'action, et de divertissement qui est absolument incompréhensible si on garde dans la tête qu'il s'agissait d'un régime de terreur absolue où tout le monde était surveillé et on était dénoncé, on allait dans la Loubianka subir dans les geôles des terreurs terribles et recevoir une balle dans la tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça qu'il faut absolument arriver à comprendre. C'est pour ça que moi je mets la terreur avec un T majuscule et des guillemets pour dire ça, c'est l'image qu'on en a. La réalité, elle n'est pas forcément drôle, mais ce n'est pas ça. Et il y a des régions qui ont complètement échappé, on le sait, à la guillotine, parce que les gens, quand les représentants en mission passent avec leur guillotine, la communauté des habitants leur dit « Ah non, non, chez nous, il n'y a pas de contre-révolutionnaire. » Et le type n'arrivait pas à isoler là-dedans des individus qui étaient soudés et qui ne voulaient absolument pas que leur communauté puissent perdre un de leurs membres. Et c'est généralisable. Il y a énormément de communautés comme ça qui ont fonctionné. Donc il ne faut jamais perdre ça de vue et abandonner cette image d'une France sur laquelle un Robespierre tout-puissant aurait étendu des ailes noires pour désigner des victimes achetées dans les fleuves. Je voudrais passer à quelque chose qui peut paraître assez étonnant. C'est que la terreur a une postérité au 19e, et jusqu'à nos jours, où on voit qu'il y a toujours des débats absolument passionnés sur ce thème, qui recouvre des préoccupations politiques claires et des débats presque philosophiques. Ah oui, philosophique, oui, tout à fait. Et ça, dans votre livre, c'est évoqué. Souvent, on a envie d'en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette postérité de la terreur qui va jusqu'à une déformation même de la comparer à, on l'a dit, au léninisme, au stalinisme, au nazisme. Donc la postérité de la terreur, moi je voudrais commencer par dire que cette postérité a des raisons paradoxales. La terreur, alors, je rappelle, avec des guillemets et un T majuscule, c'est-à-dire cette terreur inventée par Tallien en 1794 pour dire tout ce qui s'est passé. C'est pas moi, c'est les autres, et les autres, c'est notamment Robespierre. Non, on a affaire là à une invention qui va fonctionner, si j'ose dire, très bien dans un premier temps, parce que tous ceux, à commencer par Tallien, qui avaient été mêlés à des opérations, à des massacres, à des choses absolument abominables, Tallien notamment au moment des massacres de septembre de 1792, mais il y en a un autre derrière qui est beaucoup plus important que lui encore, c'est Fouché, qui est un type qui lui va avoir un rôle absolument considérable, notamment pendant l'Empire, qui a été vraiment très compromis dans des actions de violence extrêmement importantes à Lyon et dans la Nièvre, et qui est devenu un ennemi acharné de Robespierre. Bon, et Tallien et Fouché ont tout intérêt, et vont réussir, à faire oublier leur rôle dans ces actes de violence pour rester tout simplement vivant et pour garder le pouvoir
et des honneurs et de l'argent. Bon, ce qu'ils vont quand même réussir à faire, si j'ose dire, dans un sens, bravo l'artiste. Bon. Donc, première raison, il y a tous ces gens qui tirent un profit immédiat de l'invention de la terreur. Et ils sont nombreux. Bon. Le deuxième groupe de gens qui s'engagent aussi à soutenir cette invention de la terreur, ce sont aussi tous les, allez, je vais dire ça d'une façon un peu brutale, les pauvres types qui ont été mêlés aux actes violents. Bon. Qui ont été entraînés d'une façon ou d'une autre à soutenir ou à participer ou à voir ou à ne pas s'opposer à des actes violents et qui à partir de 1794 sont paumés, tout bêtement paumés, dégrisés. Ils sortent de ces actes de violence, ils ne savent pas exactement sur quel pied danser et on leur dit « bon, finalement, c'est pas vous, c'est Robespierre ». Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que, d'un seul coup, tous ces gens qui se sont trouvés engagés là-dedans vont pouvoir dire « Ah non, c'est pas moi. C'est Robespierre qui nous a tous manipulés. » Donc, on a des boucs émissaires. Il y en a quand même une bonne centaine qui sont guillotinés en deux jours, ce qui est quand même un beau score immédiatement après la mort de Robespierre. Donc, il y a suffisamment de boucs émissaires pour que les gens puissent dire « C'est pas moi. » C'est, on a tous été des victimes de Robespierre. Et ça, c'est quelque chose qui va très bien marcher. Et puis, il y a un troisième groupe auquel on ne pense pas assez, qui vont être aussi très intéressés par l'invention de la terreur, ce sont les contre-révolutionnaires. C'est les contre-révolutionnaires, à l'intérieur, Chouan, actifs ou royalistes cachés, puis à l'extérieur, tous ces gens, à commencer par le régent, le futur Louis XVIII, et puis le futur Charles X, et puis tous ces gens qui sont sur les frontières, si on le dit d'une façon un petit peu brutale aussi, ont été absolument incapables, ce qui est quand même le comble, d'utiliser la force qu'il y avait en l'intérieur de la France. Et à l'extérieur de la France, ils ont été incapables d'utiliser la guerre de Vendée, ils ont été incapables d'utiliser la chouannerie. Il faudrait quand même rappeler qu'en 1795 et surtout 1797, quand il y a des élections, la France vote majoritairement pour les royalistes. Ce qu'on oublie tout le temps quand même. Bon, c'est pas rien. Les royalistes, ils étaient à un moment donné majoritaires. Les royalistes, en 1795-97, ils tenaient de Brest jusqu'au Mans, de Rouen jusqu'à La Roche-sur-Yon. Et les républicains, ils passaient sur les grandes voies de communication et s'arrêtaient dans les grandes villes. Ils n'étaient pas capables d'arrêter des convois de 200 charrettes chargées de fusils anglais en 1799. Qu'est-ce que c'est que cette république ? Bon, et quand en 1799, il y a une gigantesque offensive qui se développe de la Hollande jusqu'à l'Italie, en passant par la Suisse, que Toulouse est complètement cernée, que Nantes, Saint-Brieuc et Le Mans sont envahis par les Chouans, quand même, ce qu'on oublie tout le temps. On gomme ça à 1799. Qu'est-ce qui se passe ? Un échec monumental de la contre-révolution. Ils n'ont pas été fichus de s'organiser entre eux, ils n'ont pas été suffisamment capables de passer au-dessus de leur division, alors qu'ils avaient la France à leurs pieds. Sud, quand même, excusez-moi. Bon. Ça tombe bien que la terreur ait existé. Ça tombe bien que Robespierre soit ce monstre qui dirige tout. Parce que la terreur vue comme ça, c'est incompréhensible. Bon, pour la contre-révolution, c'est très bien. Ce sont des forces sataniques qui ont fait échouer tout ce qu'ils ont, eux, raté. Bon, la terreur, tout le monde s'y retrouve. Ça a au moins cet avantage-là. Bon, il y a vraiment un type qui en est responsable, tous les autres sont des gens qui n'ont eu rien, qui n'ont rien à se reprocher. Alors vive la terreur, si j'ose dire. Et de ce point de vue-là, il faut bien voir à quel point ça va rentrer dans la philosophie. Rentrer dans la philosophie, je parlais de Hegel tout à l'heure, qui joue un rôle considérable, mais celui qui joue peut-être le rôle essentiel, encore plus caché que celui de Hegel, c'est Joseph de Maistre.
Joseph de Maistre, qui, juriste, magistrat de Savoie, qui est obligé de fuir la Savoie quand les troupes françaises pénètrent en Savoie, qui appartient donc à un roi de Piémont-Sardaigne, enfin bon, le futur, si j'ose dire, le noyau de l'indépendance italienne. Donc Joseph de Maistre va traverser toute l'Europe pourchassée par les troupes françaises et va réfléchir sur ce qui vient de se passer. Et dès 1795, il va avoir une pensée qui, précisément, permet de comprendre ces événements et de dire, attention, ce que nous venons de vivre, c'est un changement d'époque. C'est Maistre qui parle. Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque. Parce que tout ce qui s'était passé jusque-là, rien de cela ne nous avait préparé à cet effondrement. Et là, nous changeons de monde. C'est Maistre qui l'écrit. Et ce que Maistre veut dire, c'est que la révolution est, involontairement bien sûr, rentrée dans un gigantesque plan divin, a imposé un baptême de sang à la France et à l'Europe, et que ce baptême de sang, aussi cruel qu'il soit, permet de comprendre qu'il y a là la régénération de la France et de l'humanité. Et Maistre a une pensée tout à fait cohérente là-dessus, estimant que le pouvoir est de nature divine et que le pouvoir est toujours lié à son antonyme mais obligatoire, c'est-à-dire le bourreau. Il n'y a pas de pouvoir sans violence sacrée. Ce qui, au passage, rejoint là les traditions de l'Antiquité. Enfin, l'homo sacer, le condamné est sacré parce qu'il participe là de l'exercice même du pouvoir. Donc il y a là une vraie réflexion de la part de Maistre qui va chercher, lui, à prôner ensuite collégialité chrétienne en Europe pour assumer cet héritage de la Révolution et de la Terreur. Bon. Donc, Maistre avec cette pensée religieuse, Hegel avec la pensée politique, font de la Terreur véritablement les fondements du monde moderne dans lequel nous entrons. Donc, la postérité de la Terreur va fonctionner là-dessus. On est assuré que ça permet de donner du sens, et ça donne du sens aussi parce que ça rencontre tout le goût qui était prodigieux, qu'on oublie tout le temps, pour le merveilleux, pour les attentes millénaristes, pour le romantique, le fantastique et le romantique. Et l'obsession de la tête coupée, au passage, depuis Judith et Holoferne, et tout ce qui... La tête coupée, ça hante tout le temps les consciences. Alors là, la révolution, ça permet de se libérer sauvagement, si j'ose dire, et le fantasme de la tête coupée va être un des grands topoi de la littérature romanesque, et puis, surtout, de la littérature romantique. Le romantisme, c'est ça, c'est le héros chevelu qui commet des actions, c'est Prométhée se sacrifiant. C'est superbe, c'est très beau, et ça permet de comprendre la révolution et donc la terreur, soit qu'on la condamne, soit finalement qu'on dise « Ah oui, finalement il y a quelque chose à en tirer ». L'exemple pour moi, c'est le roman 93 de Victor Hugo, qui fait avec 93 un roman extraordinaire où ses héros sont tous tragiques, vont tous mourir pour des idéaux qui les accablent, mais qui permettent de montrer aussi la grandeur des hommes. Donc, la terreur de ce point de vue-là, c'est l'occasion par laquelle des individus transgressent leurs conditions humaines. Rien de plus beau. Alors, on est dans le romantique. On est dans le romantique, ça marque tout le 19e siècle, et ça va jouer sur nos consciences aussi, parce que c'est toujours quelque chose qu'on va trouver dans les films. Il suffit de penser à tous les films dans lesquels nous avons tous été élevés, avec les martyrs, le roi et la reine bien sûr, avec l'enthousiasme des volontaires de l'an 2, et avec le déchirement devant la guillotine. Il n'y a rien de plus beau, c'est juste dire. Donc tout le monde peut pleurer, et
communier dans ce moment national de sentimentalité héroïque. Bon. Ça, c'est quelque chose qui nous marque, et puis en même temps, il y a une autre chose qui se passe, une autre lecture, qui est une lecture politique qui va s'imposer à la fin du 19e siècle, quand cette violence va cesser d'être lue d'une façon religieuse pour être lue d'une façon politique. Pour faire bref, parce que c'est un peu compliqué, mais à la fin du 19e siècle, cette violence, les penseurs en prennent conscience, notamment quand ils se rendent compte que les démocraties violent leurs principes dans les colonies. Quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ce qui se passe dans l'ensemble des colonies, en Afrique notamment, mais en Asie aussi, montre que les principes que les démocraties ou tous les pays parlementaires peuvent avoir, eh bien, ces principes-là sont foulés aux pieds. Donc, il y a une autonomie de la violence politique qui est théorisée notamment par Georges Sorel en France et qui va être théorisée ensuite, derrière Sorel, par un certain Lénine et utilisée autrement par un certain Mussolini. Et là, on est rentré dans une autre dimension, c'est-à-dire la terreur comme le moyen de terroriser véritablement des populations et d'établir un État total. Et on rentre bien, à partir de 1917, dans une autre chose, dans un autre registre. Parce que ce qui est intéressant, pareil, on ne va pas passer par tous les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les horreurs du XXe siècle, voilà, servent à justifier une lecture contre-révolutionnaire très puissante, y compris au XXIe siècle. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que sur cette base d'une terreur originelle qui serait l'exemple même de la violence politique pour la naissance d'un État fort, alors même que des gens sont hostiles comme Mussolini à la Révolution, mais le moment révolutionnaire devient un exemple à imiter. Parce que c'est le moment de l'établissement de la violence politique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est à partir des années 1930 et surtout 1940, c'est la violence et la violence de la terreur est saisie, je dirais un peu naïvement. Oui, disons là aussi les choses un peu brutalement, et ceci un peu naïvement pour dire qu'il y a bien analogie entre ce qu'on vient de voir dans l'Europe, c'est-à-dire ce qu'on est en train de rappeler avec notamment Hannah Arendt des États totalitaires, analogie entre ces États totalitaires et la naissance d'une violence politique qui aurait préludé à ces États totalitaires, qui est la violence de la Révolution. Alors là, pour moi, les choses sont extrêmement claires, et je pense qu'il faut le dire d'une façon très ferme, il y a bien analogie sur la base de l'invention de Tallien, c'est-à-dire qu'on se fie à ce que Tallien a raconté, on ne va pas voir dans la vérité vraie de ce délire incoatif de violence, on utilise l'image de Tallien pour dire ce que Tallien a inventé, la vérité. Et pour dire, c'est ça qui permet de comprendre la matrice des totalitarismes. Là, il y a invention. Il y a une double invention. C'est-à-dire qu'on utilise Hegel, on utilise ses habitudes de pensée pour introduire une autre philosophie de l'histoire et une philosophie de l'histoire qui permet de comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre autrement, la naissance des totalitarismes. Mais on n'a pas besoin de la révolution pour ça. Là, la révolution intervient. Alors je le dis là aussi fermement, à tort, la Révolution n'avait pas de lien, de racine, de prélude au totalitarisme. Il n'y a jamais eu d'État fort, il n'y a jamais eu d'État souverain décidant, ce sera les mots de Schmitt plus tard, pouvant décider du droit de vie ou de mort, c'était pas vrai. Bon, pour prendre des exemples tout bêtes, c'est-à-dire que quand la Convention statue sur le pouvoir de ses membres et statue sur l'envoi des victimes à la guillotine, cette Convention ne décide pas ex abrupto. C'est pas le souverain comme ça. Bon, Robespierre et les autres sont liés
mais ils sont liés eux-mêmes par des règles de respect du droit qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est pas Staline faisant peur, c'est pas vrai. Ils sont prisonniers des règles qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Bon, et les gens, pour être envoyés à la guillotine, doivent passer devant un tribunal dont on dira ce qu'on voudra, sauf qu'il y avait malgré tout des défenseurs, contrairement à tout ce qui est tout le temps dit, et que même si quand des décisions sont prises d'une façon arbitraire, elles sont prises d'une façon publique, c'est pas la balle dans la tête des les cellules de la Loubianka ou les exécutions les destructions d'opposants à Hitler, ça n'a rien à voir. Bon, donc on a bien là une image qui s'est plaquée sur une autre, qui fait que on a identifié ça au de la révolution au totalitarisme. À un moment, je dirais, et ça, en même temps c'est logique à comprendre, le romantisme s'était greffé sur le goût de l'irrationnel qui traversait le 18e et le 19e siècle. Cette lecture, je dirais, totalitariste de la Révolution arrive au moment où personne n'arrive à comprendre pourquoi les démocraties populaires, entre guillemets, s'effondrent les unes à côté des autres. Enfin, là, d'un seul coup, tout ce qui semblait être bâti sur du roc, le communisme dans l'Europe centrale et orientale, et d'un seul coup, ça se délite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est capable d'expliquer les choses d'une façon cohérente, et cette explication du totalitarisme identifié à la Révolution avec ces gens qui se dévorent les uns les autres et qui meurent tout simplement sur les exécutions mutuelles permet d'expliquer tout à tout le monde. Bon, mais sur le fond, c'est comme pour Hegel et la terreur qu'il a décrite, c'est de l'invention. Il est nécessaire là de faire de l'histoire, c'est-à-dire de passer derrière les images. Nous avons de belles images, utilisons-les en fond d'écran, et puis retroussons nos manches, et puis faisons de l'histoire.